bondissant de si belle. Il paraît que les nouvelles ne sont pas si bonnes, que le moral descend et que les forces abandonnent. J'entends tous les gens parler de tes histoires, que l'avenir qui t'attend se joue sur le fil du rasoir. Qu'en est-il de l'amour, des larmes et de la peine, de la vie de tous les jours et de la paix sereine? Allô le monde, allô le monde, est-ce que tout va bien? Allô le monde, allô le monde, je n'y comprends plus rien. Allô le monde, allô le monde, soin de toi, allô le monde, ne te laisse pas aller comme ça. Bienvenue en tout cas. Bisous ma douce. J'ai failli dire bisous ma douche avec vos histoires de douche italienne. Bisous ma douce. Voilà, je vais y arriver. Sindel, j'ai bien prononcé parce que j'étais pas sûr de oui. Sindel ou Sindel. Sindel. Comme Cindy, mais avec E, deux L, E à la fin. Exactement. D'accord. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous avez une très jolie banane sur la tête en tout cas. Merci. Alors, je suis prof de musique pour les enfants. J'ai monté mon entreprise. Ouais. Et je suis aussi musicienne intervenante dans les écoles. D'accord. Voilà. Donc, vous n'êtes pas dans un bahut. Vous allez soit aider des enfants à prendre quoi, des cours de solfège, des cours de piano? Voilà, d'éveil musical, de chorale, piano. On peut s'éveiller à la musique à quel âge? Ouh, bah, tout petit, dès la crèche. Sans blaguer? Oui. Mais alors, c'est quoi? C'est des percussions? C'est comment? Voilà, c'est plutôt de la découverte musicale, des petites comptines, des rondes quand ils marchent. Oui. Oui, c'est sûr, quand il marche pas, c'est moins drôle, quoi. En même temps, on peut faire, on peut faire le chouchou, le train aussi, à quatre pattes. Hein. Ça peut marcher. Oui, mais non. J'essaierai. Non, justement, quand ça marche pas. Enfin, ça sera. Dans quelle région faites-vous tout ça? Je suis à Montbrison, à côté de Saint-Etienne. Et si vous gagnez 20 000 euros, vous en faites quoi? Alors, j'aimerais créer ma propre école de musique. Super. Donc, tout dédié à la musique en permanence, acheter exactement des instruments et faire venir les. Exactement. Qu'est-ce que vous faites avec votre brosse à dents? Eh bien, j'ai un petit cadeau pour vous. Je sais pas comment le prendre, c'est-à-dire je pue de la gueule en fait. Je sais pas comment le... Non? Je suis susceptible là ou... Il y a un truc? Il y a une feuille de salade qui est assez coincée? Non, parce que c'est peut-être l'aubergine et le poivron tout à l'heure d'Isabelle. Tu me diras, hein, Gégé, c'est un truc. Pourquoi vous m'offrez une brosse à dents? Parce que quand j'étais toute petite, j'avais 4-5 ans, je rêvais de vous rencontrer et de vous offrir ma brosse à dents. Quand je criais « N'oubliez pas la brosse, sa dent », et tout le monde répondait « sa dent », c'est ça? Exactement, oui. Allez, et pour vous, on va le refaire. Avec « Allez, n'oubliez pas votre brosse à dents !» Voilà, et puis ils avaient leur passeport aussi pour venir jouer à l'émission. Vous avez votre passeport, s'il vous plaît? La valise aussi, tout ça. Vous aviez quel âge à l'époque? C'était dans les années 90. 4 ou 5 ans, oui. Ouais, ouais, merci de me rappeler. Que j'en avais autant à l'époque. C'est vraiment votre brosse à dents? Non, ah ouais. Non. Merci pour ce cadeau. Ah, excusez-moi. J'ai fait une autre émission qui s'appelait T'as la marque du maillot. Vous voulez pas me donner votre maillot? Non, ok. Allez, voici les thèmes avec lesquels vous allez jouer, Sindel et Isabelle. D'un côté, il y a 11 enfants pour 10 points, pour 20 points, Sinsemiliane, pour 30 points, les années 80, pour 40 points, Maître Gim, 50 points, encore un rêve, et après la même chanson. Donnez-moi l'espoir. Sindel, d'abord, avant tout, Sindel, vous m'avez fait un cadeau, je vous ai remercié, j'ai pas fait la vie, je suis désolé. Elle m'a offert sa brosse à dents quand même. Franchement, non, c'est un cadeau. En plus, c'est super intime une brosse à dents. Moi, ouais, parce que la dernière fois qu'une fille est venue me voir avec sa brosse à dents et qu'on a passé un petit moment ensemble, c'était il y a 16 ans, c'est ma femme, et depuis elle est restée. Vous voyez, donc, une fille, quand elle vient voir un garçon avec sa brosse à dents, c'est un signe, hein. Je dis ça, je dis rien. Bon. Maître Gims, 40 points. Les années 80 à 30 points. Sinsemiliane à 20 points. Ou allons enfants à 10 points. Que voulez-vous, Sindel? Je vais choisir les années 80 pour 30 points. Il y a Dalida qui veut mourir sur scène. Ou Stéphanie et l'ouragan. Comme un ouragan, la tempête en moi.
un joli programme très positif que je vous propose. Ou un ouragan ou mourir. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je préfère mourir. D'accord, mais sur scène? Sur scène. Il y a 5 mots à retrouver. 5 mots et 30 points sont à marquer. Notre futur prof de musique avec peut-être son école, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. C'est Sindel, c'est parti, fais du bruit. Je serai seule quand le rideau un jour tombera. Je veux qu'il tombe derrière moi. Viens, mais ne viens pas quand je serai seule. Moi qui a tout choisi dans ma vie, je veux choisir ma mort aussi. Il y a ceux qui veulent mourir un jour de pluie et des hommes en sur scène en chantant jusqu'au bout. Est-ce que vous bloquez ces paroles? Est-ce que vous voulez changer? Est-ce que ça vous plaît, mourir sur scène en chantant jusqu'au bout? Je bloque ces paroles, Nelly. C'est une bonne nouvelle pour vous. Il y a 30 points pour Sindel. Si vous trouvez les mots de Maître Gims, vous auriez aussi 70 points. Est-ce que vous le tentez ou est-ce qu'au contraire, vous jouez l'assurance avec Allons Enfants? Je vais tenter Maître Gims. Allons-y. Et répondez au nom de Bella. Allez, répondez au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient, méfie-toi cette fille-là. Elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Et apparemment, vous avez l'air de la connaître par cœur. En tout cas, le refrain. Ou alors, je me tire. Je me tire, je demande pas pourquoi je suis parti sans mentir. Parfois, je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire, mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir, moi, d'ici. Alors, laquelle des deux vous inspire, Bella ou je me tire? Plutôt Bella. Plutôt Bella, très bien. 6 mots quand même sont à retrouver, peut-être pas les plus faciles. 6 mots pour marquer ces 40 points et revenir aux 70 obtenus par notre maestro Isabelle. C'est le défi que se lance Sindel. Bella. 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 Méfie-toi cette fille-là. Elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient méfie-toi cette fille-là. C'était un phénomène. Elle n'était pas humaine. Le genre de femme qui change de jeu dit elle comme un gentleman. Une beauté sans pareil. Tout le monde s'en va et va voir qu'elle les mène en bateau. Sans savoir quoi? Qu'elle les mène en bateau. Qu'elle les mène en bateau. Vous êtes mariée, fiancée, amoureuse? Célibataire. Célibataire. Et vous menez les garçons en bateau? Non. C'est l'inverse? Plutôt oui. Ah, les salauds. Ils sont pas cool, hein. Ils sont pas cool. Ça, sans savoir qu'elle les mène en bateau. Est-ce que vous bloquez ces paroles? Est-ce que vous les changez avant? Est-ce que vous avez un doute ou pas? Je bloque ces paroles. Joli match, 70 comme pour Isabelle, très joli match des filles, bravo et merci pour ce spectacle. Comme tout à l'heure, c'est vous qui avez commencé, et là en cas d'égalité, ça sera maintenant à Sindel de commencer. Donc allez vous installer dans le fauteuil, je vous en prie, cher maestro, puisque c'est à Sindel d'être la première à interpréter la même chanson en cas d'égalité tout à l'heure aussi. Eh bien ça sera forcément notre maestro qui restera
avec le micro d'argent. Voici la chanson commune à Cindel et à Isabelle. Est-ce que ça pourrait être une belle histoire pour vous? Je l'ai déjà chantée. Super, donc c'est une bonne nouvelle en tout cas, à défaut d'être une belle histoire. Ça peut être une bonne nouvelle. Lorsque les paroles s'arrêtent ici, il y a en tout 212 mots qui pourraient continuer en jaune et qui pourraient rapporter 212 points. C'est parti pour Cindel! C'est une romance d'aujourd'hui. Et rentrer chez lui là-haut vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence, en se faisant un signe de... C'est pas en se faisant un signe de la main. Alors pourquoi penser au lendemain? Exactement. Vous êtes corrigée toute seule. Bien assuré. Et dites-moi, et quand vous montez dans un octave, ça le fait, hein? Ça envoie un peu mieux, oui. Ouais, c'est ça. C'est ça, on se comprend. Libérons Isabelle. Regardez le score que vient de réaliser Cindel. Pour Isabelle, quand même, ça n'a pas bougé. Bah ouais, ça n'a pas bougé. Roulement de tambour et changement de propriétaire pour ce micro d'argent. Et Isabelle s'en va avec 8000 euros. Et une nouvelle douche qui ne sera pas rose bonbon ni mozzarella. Ciao ma belle, merci. Euros. Si vous me donnez deux mots d'une chanson, la même chanson plus loin, plus deux mots, il y aura 2000 euros. La même chanson encore plus loin, encore plus deux mots, 5000 euros. La même chanson beaucoup plus loin, beaucoup plus de mots, 10 000 euros. Et la totale, que voulez-vous, Cindel, pour 20 000 euros? Olivia Ruiz, je traîne des pieds. Ou Lio, les brunes comptent pas pour des prunes. Je vais choisir les brunes comptent pas pour des prunes. Très bien. Avec le joker initial venu pour vous aider, évidemment. 1000 euros, il y a deux mots donc à trouver. C'est parti pour Cindel! Tout le monde répète en cœur que les hommes préfèrent les blondes. Que les hommes préfèrent les blondes, vous bloquez ou pas ces paroles? Je bloque ces paroles, Nagui. Est-ce que vous risquez ces 1000 euros pour 2000 euros et 4 mots à trouver? Il reste le joker initial en même temps. Je tente les 2000 euros. Allez, Magali, vous aide. Ils fondent pour une décolorée en moins d'une seconde. J'ai l'impression qu'ils confondent. Et la Joconde, à moins qu'on la ponde. Ponde, tonde, je vais prendre les initiales. Mais si comme vous voulez, ma poule. Ah ouais. Tonde. Ah ouais. On parle un peu de cheveux. Je vois pas trop ce que l'œuf, à part crâne d'œuf, je vois pas ce que l'œuf viendrait faire là-dedans. Vous bloquez ou pas ces paroles? Je bloque ces paroles. €2000, c'est fait. Tentez-vous les 5000 euros. En risquant les 2000, il y a 7 mots à trouver, mais plus de joker d'initial. Je pense vraiment que je la connais, mais le ponde, tonde, je préfère pas prendre de risque pour le moment. Oui, ça s'est joué à un cheveu en plus, hein, c'est sûr. Je vous propose un truc, on met les 2000 euros de côté et on essaye quand même de voir ce qui se serait passé. Ok, très bien. Allez, 7 mots, est-ce qu'elle les aurait trouvés? Et la Joconde à moi qu'on la ponde, c'est quand même bien une brune. Les brunes comptent pas pour des prunes. Se font appeler des blondes vénitiennes. Aïe, 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 aïe. Ils l'aiment. Et ils l'ont menteuse, elle triche.
Ben, j'ai bien fait de m'arrêter. Ouais. Alors la bonne réponse était menteuse, elle triche. Et puis à quoi ça les mène? Et ben elle, ça l'amène en tout cas vers ses 2000 euros qu'elle a et qu'elle garde évidemment. Et puis nous on vous donne rendez-vous tout à l'heure pour Taratata. N'oubliez pas, 22h45. Bonne soirée sur France 2 dans 5 minutes au journal de 20h. Ciao, ciao, ciao. N'oubliez pas les paroles et beauté pour Cinderelle. Regardez comme elle est belle. Madame la professeure, ils vous appellent comment les élèves d'ailleurs? Madame la professeure de musique ou non, Cinderelle? Cindel. Oui, Cindel. J'ai rajouté Cinderelle. Je suis parti dans Cinderella et Cendrillon. Et Cendrillon, exactement. Cindel, du côté de Saint-Étienne même ou en dehors de Saint-Étienne? Non, à Montbrison, c'est une petite ville pas très très loin. D'accord. Professeur qui joue essentiellement du piano, de la guitare. L'éveil musical passe par quel instrument? L'éveil pour les tout-petits, c'est vraiment... Les percussions, vous m'aviez dit, ouais. Moi, en ce qui me concerne, je suis pianiste, guitariste. J'ai fait un petit peu de saxophone aussi. C'est pas vrai. Dommage, ça se prête pas normalement un saxophone pour des questions d'hygiène. Ouais, je vois bien, j'ai la tête de Julien fait « Non, je prête pas mon saxophone. » C'est comme les brosses à dents, ça se prête pas. Voilà, c'est dommage. Je sais pas, je trouve ça très sexy une fille qui joue du saxophone. T'as pas un bout à nettoyer On verra. Non, un embout, je sais pas comment ça s'appelle, le bec. Oh non, mais ça va pas, non. Mais ça va pas. On peut rien dire avec vous. Vous êtes pire que moi, hein. Mais en fait, c'est pas une histoire de hygiène, c'est juste que quand t'as pas l'habitude d'un, c'est très difficile d'en jouer, quoi. Quand t'as pas l'habitude d'un quoi? D'un bec. Ah, c'est, tout est différent, en fait, on joue tous des trucs tous différents. Tous les becs sont différents. Exactement. Ah, et vous êtes pas venu avec votre bec? Non. Autrement dit, il y aura eu déjà, entre Julien et Cindel, une prise de bec. C'est le problème. Hey! Bientôt, oh, regardez les thèmes avec lesquels vous allez chanter, Vincent et Cindel. Il y a pour 10 points, question de timing, pour 20 points, Michel Sardou, 30 points, le petit pain doré, 40 points, les sans-culottes, 50 points, les années 90, après la même chanson. Cindel, vous êtes maestro, vous voulez commencer ou pas? Je vais commencer. Avec quoi? Avec qui? Et je vais choisir les années 90. Les voici. Il y avait qui dans les années 90 qui pourrait vous plaire entre Stéphane et Cher? C'est pourquoi elle voudrait enfin du jeu de fermer. Ou Gré Barbelivien. À toutes les filles que j'ai aimées avant, qui sont devenues femmes maintenant. Apparemment, donc, quand ils les ont aimées, elles n'étaient pas femmes. Les filles ou le déjeuner, que voulez-vous? Déjeuner en paix. Allez, déjeuner en paix. J'abandonne sur une chaise, chouna du matin. Il y a 8 mots, manquant 8 mots à retrouver. Et pour déjeuner en paix, c'est Cindel qui s'y colle, c'est notre nouvelle maestro. Yeah. Allez, Karen. J'abandonne sur une chaise le journal du matin. Les nouvelles sont mauvaises, d'où qu'elles viennent. J'attends qu'elle se réveille et qu'elle se lève enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elle prenne. Cette fois, je ne lui annoncerai pas la dernière. Et qu'a-t-on? Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Et à la fenêtre et le ciel ce matin, l'ironie honnête pour la paix. Est-ce que tout va si mal? Est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal. Elle prend son café en riant, elle me regarde à peine. Plus rien.
on n'a pas tout bien compris. Est-ce que rien ne va bien ? L'homme est un animal. Me dit-elle. L'homme est un animal, me dit-elle. Vous bloquez ou passez parole ? Vous voulez encore changer avant de bloquer ? Que faites-vous ? Je vais bloquer ces paroles. Très bien, pardon pour le faux suspense, on veut juste être sûr de ce que vous avez dit et ne pas avoir mal entendu. Vous avez une idée ou pas, maestro ? Pour toi, j'ai soulevé un amour de géant. Mais c'est fort, ça. Chanson de fille, un peu. Ok, d'accord. Pas de points marqués pour Vincent. Sindel est en tête avec 50 points et elle peut même en rajouter 10, 20 ou 30. Que faites-vous ? Pour 30 points, le petit pain doré. Le petit pain doré, un petit pain au chocolat et Julien Doré ? Ouais. Là, enfin, j'ai trouvé. Le petit pain au chocolat, c'est ça ? Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. Aïe, 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 aïe. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Aïe, 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 Enrico ! C'est-à-dire... Ou alors Julien Doré et... Je dépasse aisément toutes les limites. Quand je commence, je consomme énormément. Le but est de ressentir la chose. Quelle limite ou quel pain au chocolat voulez-vous ? Le petit pain au chocolat. Le petit pain au chocolat, je vous reconnais bien là, va. Gourmande. Vous préférez quoi d'ailleurs ? Un pain au chocolat, des chouquettes, un croissant fourré ? Un croissant fourré aux pralines. Elle s'y connaît. J'ai faim du coup. Ouais. Moi aussi. Et ben là, il va falloir fourrer la chanson de mots, puisqu'il va y avoir un trou et il va falloir compléter ce trou, non pas avec du chocolat, mais avec 4 mots pour avoir 30 points. Le petit pain au chocolat, c'est Cinder. Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. La connaît bien mieux que moi. Mais je ne pensais pas qu'à ça. Ah bah oui, forcément. Professeur de musique et surtout qui se sert de percussion pour l'éveil. Célibataire, toi aux percussions, célibataire. Toi, bordelais, elle, stéphanoise, Bordeaux, Saint-Etienne, c'est pas qu'un match de foot, ça peut être une histoire d'amour. Mais qu'est-ce qui passe dans l'air ? Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Il vous plaît, notre percussionniste ? Mais laisse-la tranquille. Merci Fabien. T'as peur de sa réponse ? Ouais, non, dites-moi. Est-ce que c'est votre genre ? Bon, c'est un beau garçon.
C'est un beau garçon. Bah, oui. Ah oui, ça commence les vannes. Ok, d'accord, les vannes ont commencé. Pourquoi une vanne? Si, mais c'est une vanne. Quand on dit que t'es un beau garçon, c'est une vanne. T'es pas con. Non, mais attends. Quoi? Non, rien. En tout cas, vous êtes une très jolie fille, Sidel. Merci. Très jolie. Il vivait dans un monde flou. Vous bloquez ou pas ces paroles? Je bloque ces paroles. Bon, il y en a un qui voit tout flou là maintenant, c'est Vincent. Parce que regardez, 80 points pour Sidel. Un cœur de troubadour. Eh oui, vous l'avez forcément, le cœur de troubadour. Eh oui. Aïe, 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 Vincent. Aïe, 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 aïe. Pas de points du tout, allez vous installer dans le fauteuil. Écoutez, AC/DC, le temps pour Sidel de chanter la chanson qui sera déterminante, parce que soit elle continue de creuser cet écart, ce qu'elle va tenter de faire évidemment, et elle serait irrattrapable par Vincent, soit elle défaille, et à ce moment-là, c'est Vincent qui, lui, peut rattraper ses 80 points. Voici la chanson. Bonne ou mauvaise nouvelle? Bonne nouvelle. C'est votre philosophie? Vous l'avez déjà chantée, ma philosophie? Oui, oui. Déjà chantée, oui. Une prof de musique qui va devenir prof de philo, c'est le temps de trouver 248 mots, peut-être, au total. C'est parti! Faites du bruit pour Sidel! Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis. Malgré tout ce qu'on me dit, je reste le point levé. Pour le meilleur comme le pire, je suis métisse mais pas martyr. J'avance le cœur léger, mais toujours le point levé. Lever la tête, bomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix, je suis l'as qui bat le roi. Malgré nos peines, nos différences et toutes ces injures incessantes, moi je lèverai le poing encore plus haut. Je ne suis pas comme toutes ces filles qu'ont des visages, qu'ont des habits. Moi j'ai des formes et des rondeurs, ça sert à réchauffer les cœurs. Fille d'un quartier populaire, j'y ai appris à être fière. Bien plus d'amour que de misère, bien plus de peur que de bien. Ah, vous avez dit bien plus de peur, et c'est bien plus de cœur. Il y a plus de cœur que de peur, peut-être. En tout cas, elle a assuré, Sidel. Hein. On sentait qu'il s'était passé plein de choses sur cette chanson. On s'en libérons, Vincent. Ça va, Vincent? Vu le temps que je suis resté dans le fauteuil, pas ouais. Sûr. En même temps, vous avez déjà gagné dans cette émission, c'est pas grave. C'est vrai. Ça fait plaisir de venir vous voir. Mais ouais, ouais. Je suis content. Mais moi aussi. Ça va, la famille, tout va bien? Tout va bien, tout ouais, va bien. Je suis content. Ouais, ouais. Comment vous dire? Elle a fini la chanson, c'est ça? Pas vraiment, mais... Mais presque. Mais elle a fait un joli score, je crois. D'accord. Ah oui. Ah oui. Ouais, quand même, ouais. Hey, t'es pas fini. Ouais. Yes, ouais. Yes, yes, yes. Merci, bon retour. Merci beaucoup. Elle a déjà 2000 euros, Sidel. Elle vient de signer sa deuxième victoire. 1000 euros de plus, ça ferait pas de mal, évidemment. Il faut trouver deux mots d'une chanson. La même chanson plus loin, plus deux mots, 2000 euros. La même chanson encore plus loin, 5000 euros. Beaucoup plus loin, 10 000 euros. Et la totale? Ça serait bien d'avoir 20 000 d'un coup. Ah oui, très bien. Oui. Je vous le souhaite. Allez, avec quelle chanson? Zebda, Tomber la chemise ou Les remparts de Varsovie? Brel, qui aurait pu faire plaisir à Vincent. Tomber la chemise. Tomber la chemise. Le joker des initiales est là pour l'aider. 1000 euros à rajouter dans sa cagnotte, mais déjà deux mots à découvrir. C'est Sidel, c'est parti! Hey, hey, hey. Tous les enfants de ma cité, même d'ailleurs, et tout ce que la colère a fait de meilleur. Et
et tout ce que la colère a fait de meilleur, vous bloquez ou pas ces paroles? Je bloque ces paroles. Bon ça! Tentez-vous les quatre mots et 2000 euros encaissés? Allez, on va tenter. Allez, Cinder! Tout ce que la colère a fait de meilleur. Des phases de stalagmites et de jolies filles. Des tas d'acné en un mot, la femme sont là. Sont là. Tous les enfants de mon quartier, même d'ailleurs. Et tout ce que le béton a fait de meilleur. Ceux qui voulaient pas payer l'entrée, toute valeur. Non? Aucune idée. Le joker donc initial s'impose, à mon avis. Il voulait pas payer l'entrée, 30 balles. Et O-E-L-S. La famille, les amis, et même d'ailleurs, et ils ne voulaient pas payer l'entrée 30 balles. O-E-L-S. J'en ai aucune idée. Vraiment ? Ils ne voulaient même pas improviser une phrase ? On ne sait jamais, non ? Ou être... Ils... Donc, toute la famille, ils n'ont pas voulu payer l'entrée 30 balles. Non, je ne sais pas. Vous voulez même pas essayer? Ils ont envahi la scène. Bon, c'est pas grave. La scène, elle, elle va pas la quitter puisqu'elle reste maestro. Elle garde ce micro d'argent. C'est pas fini pour elle, c'est pas fini pour vous. Ciao, ciao, ciao! Semaine en beauté avec n'oubliez pas les Sindel, 2 victoires et 2 000 euros déjà, mais c'est pas assez, mérite plus Sindel. Ça vous fait plaisir de chanter avec un groupe comme ça de 12 artistes qui vous accompagnent? Ah oui, bah surtout ça vous est déjà arrivé ou pas? Pas autant, et puis pas aussi bon. Ah, et pas aussi vieux. Enfin bon, je dis ça, je reste. Voici Katia et Sindel, les thèmes avec lesquels vous allez chanter. Pour 10 points, il y a la rivière de notre enfance. Pour 20 points, Vienne. Pour 30 points, 4 fois boum. Pour 40 points, Claude François. 50, les années 2000. Et après, la même chanson. Sindel, vous commencez ou pas? Elle a un petit sourire de coquine, Sindel. Pourquoi? Vous avez vu une bonne nouvelle? J'adore Claude François. Eh ben alors allons-y, gaiement. Attendez, quelle chanson vous aimeriez de Clo-Clo? Toutes me feraient plaisir. C'est vrai? Que ce soit les Magnolias, le téléphone pleure, que ce soit Alexandrie Alexandra, que ce soit... Vous aimez toutes les chansons de Claude François? Toutes, oui. Toutes? Allons-y. Il y a quoi? Il y a qui? Il fait bon! Il fait bon! Qui est une belle contrepétrie d'ailleurs. Il fait bon! Il fait bon! La vie coule comme une chanson, aussitôt qu'une fille est aimée d'un garçon. Il n'y avait aucune de celles que je vous ai proposées, en tout cas. Ou alors, oh, quel sale bonhomme! Oui, sale bonhomme! Oui, sale bonhomme! Oh, quelle sale personne! Quelle sale personne! Un monstre en somme! Ce sale bonhomme! Sale bonhomme ou il fait beau, il fait bon? Qu'est-ce que vous voulez, Sindel? Allez, sale bonhomme! Sale bonhomme? Vous voulez la dédier à quelqu'un en particulier? Non, c'est bon. Sindel, est-ce qu'il y a un mec qui a été une peste? Est-ce que vous vous rappelez de votre premier bisou quand vous étiez enfant? Oh oui! C'est vrai? Vous aviez quel âge, le tout premier, la toute première fois que vous avez fait un bisou? J'avais 9 ans. Ouais? C'est pas grave, pourquoi vous... C'est pas une punition? Il y a la maman là-haut. Et genre, maman, elle sait pas que vous avez fait un bisou? Peut-être pas aussitôt. Vous saviez pas qu'à 9 ans... Non, elle savait pas, apparemment. Et vous vous rappelez du prénom de ce garçon? C'était à oui. L'école, c'était où? C'était chez moi. Oh, maman! Et il s'appelait Nicolas. D'accord. D'ailleurs, Nicolas... Tu me vois? Un petit coucou. Voilà, oh, elle est mignonne, elle rougit. En plus, Nicolas, si tu as encore l'adresse, n'hésite pas. Ça serait un bon souvenir pour fêter ça ensemble. Moi, elle s'appelait Nathalie, c'était à Aix-en-Provence, à la maternelle. J'en dis trop peut-être, non? J'en dis trop. Enfin, Nathalie. 6 mots et 40 points attendent Sindel. Allez! Sale bonhomme était le pire des hommes qu'on ait jamais vu. Il jurait, crachait et faisait de l'œil aux inconnus. Il rongeait ses ongles et mangeait sa soupe dans une passoire.
On m'a même dit qu'il n'avait jamais mis les pieds dans une baignoire. Oui, sale bonhomme, oui, sale bonhomme. Oh, quelle sale personne, oui, sale personne. Un monstre en somme, oh, oh, ce sale bonhomme, oui, sale bonhomme. Il détraquait tous les machines à sous et le téléphone. Dans les spaghettis, mettait du whisky et du chewing-gum. Son père et sa mère trouvaient dans leur verre du pain et du sel. Et dans leurs chaussures de la confiture, quand ce n'était pas du miel. Oui, sale bonhomme, oui, sale bonhomme. Oh, quelle sale personne, oui, sale personne. Un monstre en somme, un beau, oh, 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 sale bonhomme. Ce qui est bien, et c'est là où on voit que vous êtes prof, je pense en tout cas, c'est que non seulement vous chantez bien la chanson, mais vous l'interprétez, vous la racontez comme une histoire. Et j'imagine que quand vous faites ça avec les enfants et que vous racontez les chansons en les racontant comme des histoires, ils sont là avec des grosses billes écarquillées. Ah, elle est trop belle la maîtresse, c'est une princesse. Allez. Vous imaginez, il y a forcément des petits garçons qui sont amoureux de leur prof. Ben si. Je sais pas, peut-être. Ben si. J'étais amoureux de tous mes profs, moi. Oui, je sais que je suis pas normal. Oh, ma prof d'anglais était trop... Bon, ouais, bon, allez, on y va. Dans les spaghettis, mettez du whisky et du chewing-gum. Est-ce que vous bloquez ces paroles ou pas, Sindel? Je bloque ces paroles. Yes! Excellent! 40 points pour Sindel. Ah, tu veux te la faire, les sardines, hein, c'est ça. Tu y tiens. Tu y tiens. Allez, pour Magali, allez! Cette boîte, chante les sardines, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante les sardines entre l'huile et les aromates. Ouais, tout le monde s'amuse, tout le monde à poil. Ça va pas, Fabien? Je sais pas ce qui m'a pris, pardon. Ouais. Alors, si on peut revenir deux secondes au jeu, parce que je vous rappelle que le principe de cette émission, c'est pas uniquement de faire n'importe quoi, mais c'est aussi un jeu, faut pas l'oublier. Vous avez dit ce que j'ai bâti, après vous avez fait... J'aurais pu vendre mon âme au diable. J'aurais pu vendre mon âme au diable. Ah non, le diable, il rentre pas. Et c'est pas une... D'ailleurs, on est assez content qu'il rentre pas. C'est très bien. Mais oui, il rentre pas. Ouais, il faut serrer, il faut enlever quelqu'un ou quelque chose. Ça rentre pas. On sait pas, hein, donc... On n'insiste pas. On n'insiste pas. Vous avez une idée ou pas, maestro? Allez-y. Oui, elle connaît. Hein. Disparaître sous les flammes de la jalousie. Ouais, c'est ça. Waouh. 4 fois boum à 30 points, Ziane à 20 points ou 10 points pour la rivière de notre enfance, Sindel? On va essayer de voir ce qui se cache derrière 4 fois boum pour 30 points. Qu'est-ce qu'il y a comme chanson avec boum? Il y a déjà boum boum boum. Boum boum, ouais. Mika et boum de Charles René, comme mon cœur fait boum. Oui. Comme ça, ça ferait 3 d'un côté, 1 de l'autre, non? On va voir. Moi, je me dis. Oh là 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 là, mais je les connais trop bien, comme si je les avais fait. Ou pas. Mika, c'est ça? Ou Charles Trainé qui s'y connaît en boum. Boum, l'astre du jour fait boum. Tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Quel boum voulez-vous? J'en connais aucune des deux, mais on va prendre boum boum boum. Boum boum boum, Mika? Allez, boum boum boum, Mika. Il faut quand même trouver 5 mots pour avoir ses 30 points, mais elle est en tête et elle est sûre de rester en tête, donc en totale détente, c'est parti pour notre maestro, Cindy. Boum boum boum, même les Américains comprennent. Boum boum boum, boum boum boum, boum boum boum, boum boum boum. Qu'importe l'endroit, le contexte, on a toujours un bon prétexte pour tomber nos fruits comme le deux. Toi et moi, on fait boum boum boum. Quand t'es pas là, je fais n'importe quoi. Je prends des kilos, des tequila. Je chante des chansons de capsule. Je ne pense qu'à nos boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. On la voit pas. Oulala, oulala. Non, là c'est pas. Pas d'idée? Pas du tout. Fabien s'est arrêté avec le frein en main, là, carrément. Il s'est dit oulala. Vous avez une idée ou pas, Katia? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que quelqu'un a les paroles de boum boum boum? Non, tu les as toi, je t'en prie, viens. Qu'est-ce qu'il y a après pour le voir? Quand toi et moi, on fait boum boum. Non, mais t'es trop mignonne, mais c'est pas ça. Non, c'est pour le voir, pas besoin d'un zoom. Mais t'es trop mignonne en tout cas. Wow. Quel est ton prénom? Lisa.
Merci Lisa de venir ici. Oh, la princesse. Pas besoin d'un zoom. Allez, on n'oublie pas de point pour Katia, mais que 40 points d'écart. C'est rattrapable. Allez vous installer dans le fauteuil, je vous en prie. Le temps pour Sindel de chanter la même chanson que Katia, mais d'abord Sindel seul. Voici la chanson. Alors, j'essaie de voir sur votre visage si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Avez-vous déjà chanté Mon mec à moi ? Comme ça, oui, je l'ai déjà chanté. Après, on va tester. Vous avez 40 points d'avance. À vous de conforter cet écart et de l'accroître, en tout cas. Dès que les mots sont en jaune, ça veut dire qu'elle ne les voit plus, elle, ici, sur ce plateau. C'est seule avec sa mémoire. C'est Sindel la maestro, Mon mec à moi. Il joue avec mon cœur. Il triche avec ma vie, il dit des mots menteurs et moi je crois tout ce qu'il dit. Les chansons qu'il me chante, les rêves qu'il fait pour deux, c'est comme les bonbons menthe, ça fait du bien quand il pleut. Je me raconte des histoires en écoutant sa voix, c'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. C'est pas je voudrais y passer la nuit, mais c'est je pourrais y passer la nuit. Libérons Katia qui est à fond dans la CDC. Regardons le score de Sindel, ma chère Katia. 3. Cool. Bisous. Merci. Bon retour, merci. Sindel signe sa troisième victoire. 1 000 euros de plus, en plus dans votre cagnotte de 2 000 euros pour l'instant. 1 000 euros de plus avec deux mots d'une chanson, plus de mots plus loin dans la même chanson. 2 000 euros, beaucoup plus de mots, beaucoup plus loin. 5 000, encore plus loin, encore plus de mots, 10 000 et la totale. Que voulez-vous pour 20 000 euros ? Obispo avec Fan ou Alain Bachung, Gabi au Gabi ? Fan. Fan. Il y a le joker des initiales. Vous êtes fan de quelqu'un, d'un artiste, vous ? Quel chanteur vous aimez ? Claude François. Ah c'est vrai, donc ça vous l'avez déjà dit, ah oui, Claude François. Ça tombe bien parce que ça n'a rien à voir. Peut-être un peu avec Paul Naref pour cette chanson. Il y a deux mots à retrouver, 1000 euros encaissés, Sindel. J'ai vécu sous des posters, à me croire le seul à connaître tout de vous. J'en ai refait des concerts en rêvant de voir apparaître Marie-Lou. En rêvant de voir apparaître Marie-Lou, ça fait en effet deux mots, même s'ils sont longs. Est-ce que vous bloquez ces paroles ou est-ce que vous vérifiez avec les initiales ? Je bloque ces paroles. Mille euros c'est fait, est-ce que vous les mettez en sécurité ? Dans la poche ou est-ce que vous tentez 2000 euros ? On tente les 2000. Allez, 4 mots à trouver. C'est bon de voir apparaître Marie-Lou. J'inventais des lettres à France, en solitaire, en silence. Si je n'ai pas su l'écrire, je voulais simplement te dire. Je voulais simplement te dire que vous bloquez ces paroles, que vous les changez, que vous voulez vérifier. Je bloque ces paroles. Que de bonnes nouvelles, 2000 euros pour 7 mots. Il y a 5000 euros. Est-ce que vous tentez le diable ? On continue. Allez, Sindel. Si je n'ai pas su l'écrire, je voulais simplement te dire que si j'existe, c'est être fan, c'est être fan. Si j'existe, ma vie, c'est être fan, c'est être fan. Soirée et nuit, jour et nuit, mais qui peut dire je t'aime quand je suis. Signe
signe, un geste de ta part. En attendant un signe, un geste de ta part. Ça en fait suffisamment 7, ça, ou pas? Ouais. Ça se bloque, ça se change, ça se vérifie. Que décidez-vous? Je bloque ces paroles. €5 000 et pourquoi pas 10 000? 9 mots à trouver. Ouais. Allez, on y va. Allez. J'en ai connu des hôtels en attendant un signe, un geste de ta part. J'en ai suivi des galères, pris des trains, fait des kilomètres pour te voir. Vous avez dit des galères et des... Pris des trains, fait des kilomètres pour te voir. Ok, pris des trains, fait des kilomètres pour te voir. Que faites-vous? Je bloque ces paroles. Sans joker. Oh là là, 10 000 euros. Ça sent les 20 000 ou pas? Il y a 15 mots à trouver. Il vous reste le joker des initiales. Si vous vous trompez, ne serait-ce que d'un mot ou d'une lettre, vous retombez à zéro. Est-ce que vous mettez en sécurité ces 10 000 euros ou est-ce que vous tentez d'en avoir 20 000? On continue. Allez, super! J'en ai suivi des galères, puis des trains, fait des kilomètres. Mettre un nom sur un visage, redites-moi la phrase que vous avez dite. Derrière une vitre, un grillage, si je n'ai pas su l'écrire, je voulais simplement te dire. Alors, nous on va essayer d'écrire tout ça. Le je voulais simplement te dire ne rentre pas, ça finit sur je voulais. Il reste le joker des initiales, au secours, prenez-le, parce que là maintenant, de toute façon, ça n'a rien de le garder. Hein. Je vais prendre les initiales. Bah oui, quand même. Ouh là là, alors ça commence bien, derrière une vitre, un grillage, ça peut aller. Et après, il y a qui sera Harry Facu à décrire, où aller? Quelque chose à retenir. Alors, quelque chose à retenir. Faire. Quelque chose à retenir. Faire comprendre avant de t'enfuir. Faire comprendre avant de t'enfuir. Voilà, heureusement que le joker était là, parce qu'il a fallu recomposer, reconstruire cette phrase. Et encore, est-ce que c'est la bonne réponse ou est-ce que vous avez encore un doute? Un petit doute quand même. Sur quel mot? Comprendre. Et ça pourrait être quoi d'autre? Je ne vois pas d'autres mots. Ah bon, d'accord. Voilà, comme ça vous êtes tranquille. Vous avez un doute là-dessus, mais au moins vous n'hésitez pas. Est-ce que vous bloquez ces paroles? Je bloque ces paroles, Nadine. Ça va? Ça va, oui. Ok, je vois. Je vois. Elle est en train de pleurer. Vous ne voulez pas ces 22 000 euros. Je comprends. Je comprends. Un truc à dire? Ben, pour démarrer une vie, déjà, c'est super. 22 000 euros. Ça, c'est la bonne nouvelle. Elle sera là, ma douce. Elle sera là comme vous, j'espère. Demain, bonne soirée sur France 2 dans 5 minutes au journal de 20h. Ciao, ciao, ciao! Merci d'être fidèle à N'oubliez pas les
22 000 euros déjà pour elle. En à peine 3 victoires. Une bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle, oui. Ces 22 000 euros vont tous aller dans, pour la musique, pour le projet de monter l'école, ou est-ce que vous allez aller, je sais pas moi, partir en vacances, ou faire un cadeau personnel avec ces 22 000 euros, que voulez-vous faire? J'aimerais bien changer de voiture quand même. Ah, d'accord. Ah oui, mais entre, alors là, entre la voiture et l'école, ça coûte cher une voiture, très cher. J'ai une solution. Gagner encore 20 000 euros. Et vous allez chanter quoi? Okay. Les filles, Angèle, Sindel pour 10 points, Parlons-nous pour 20 points, Ça tourne pour 30 points, Lynn pour 40 points, Les années 60, 50 points. Kenji Girac, et après la même chanson, Sindel, vous êtes maestro, vous commencez ou pas? Je vais commencer. Il y en a qui vont m'en vouloir, je vais prendre Les années 60 pour 40 points. On vous en veut pas, l'important c'est de tomber peut-être sur Claude François. Ah, il n'y a pas Claude François, vous êtes déçu. Il y a Charles Aznavour. Désormais, on ne nous verra plus ensemble. Ou comme un garçon. Comme un garçon, j'ai les cheveux longs. Comme un garçon, je porte un blouson, un médaillon, un gros ceinturon. Comme un garçon. Est-ce que l'une des deux est une bonne nouvelle pour vous, Charles Aznavour ou Sylvie Vartan? Un petit peu plus comme un garçon. D'accord. On va voir. On y va avec ces six mots qui sont à découvrir. Et c'est notre maestro qui a 22 000 euros, mais qui en veut plus parce qu'elle veut une voiture. Allez! Comme un garçon, comme un garçon. Moi je suis têtu et bien souvent moi je distribue des corrections, faut faire attention. Comme un garçon. Pourtant je ne suis qu'une fille. Et quand je suis dans tes bras, je suis toute petite fille, perdue quand tu n'es plus là. Comme un garçon, moi j'ai ma moto. Comme un garçon, je fais du rodéo. C'est la terreur à 200 à l'heure. Comme un garçon, comme un garçon. Et bien souvent, moi je distribue des corrections, faut faire attention. Comme un garçon. C'est la terreur à 200 à l'heure. Vous bloquez pas ses paroles? Je bloque ses paroles, Nagui. Non, j'ai fait exprès de faire la liaison dans la chanson, elle n'est pas faite. Mais en français, 200, ça prend un S à 100. Tout va bien, 40 points pour Angèle, Sindel. 10, 20 ou 30 points pour vous? On va prendre 20 points, ça tourne. D'accord, on y va, ça tourne. Il y a Jean-Jacques Goldman avec Tourne les violons. Tourne les violons, tourne les violons. Tourne les violons, tourne les violons, tourne les violons. Ou Axel Red. Le monde tourne mal. Il y a des parfums de scandale sur sa peau. C'est des hip, hop, des hip, 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 hop. Le monde tourne mal ou tourne les violons? Jean-Jacques Goldman, Jean-Jacques tourne les violons. Jean-Jacques Goldman, mais comment vous l'aimez, hein? Comme vous l'avez dit, ça sent que vous l'aimez bien, Jean-Jacques Goldman. Trois mots sont à découvrir, 20 points à inscrire. C'est parti pour la maestro. On veut être au château il y a bien longtemps. Les belles et les beaux, nos vies en noble sang. De tout le royaume on est venu dansant. Tourne les vieux, tourne les vieux, tourne et s'en vont. Grande fête au rameau et Manon à 16 ans. Servant dans ce château comme sa mère avant. Elle porte les plateaux lourds à ses mains d'enfant. Tourne les billots, tourne les billots, tourne et s'en vont. Tourne les billots, tourne les violons. Le bel uniforme, le beau lieutenant. Différents des hommes. Charmant. Tourne les billots, tourne les billots, tourne et s'en vont. Tourne les billots.
que la fête et les rires et les danses. On s'émerveille en remplissant les panses. Au prix des lumières, ainsi lui qui avance. Tourne les billots, tourne, ils s'en vont. Tourne les violons. Bonne danse. Elle porte les plateaux lourds à ses mains d'enfant. Vous bloquez ou pas ses paroles? Je bloque ses paroles. Waouh, ça fait quand même 60 points. Il y a 50 points d'écart. Oui, mais c'est possible. Voilà, parce que les chansons, la même chanson, ça peut vous rapporter 100, 200, 300 points. On a vu déjà des scores se retourner avec un tel écart. Allez vous installer dans le fauteuil pendant que elle, au contraire, va défendre son bout de gras. Elle ne veut rien lâcher, Sindel. Voici la chanson chantée d'abord par Sindel, puis par Angèle. Et celle qui ira le plus loin. Ah bah, on reste un peu dans le même tempo et dans la même ambiance. C'est une bonne nouvelle ou pas pour vous? Pas du tout, non. Pas du tout. Bon. Vous pouvez laisser les chœurs évidemment à Jessie et Nathalie qui vont assurer les chœurs en anglais, qui vous rapporteraient pas de points si vous les chantez, mais vous par contre, il faut chanter tout ce que Larousseau chantait, d'accord ? 186 mots en tout, tu m'oublieras, bah là, faut rien oublier, c'est parti, faites du bruit pour Sydney ! Tu vas partir, je sais, yeah, yeah. Tu m'oublieras, tu temps qui n'appartenait qu'à nous, ces réveils au matin, tes bras autour de mon cou et l'amour que l'on faisait n'importe où. Tu oublieras tout le mal, tout le bien. Oh là là, tout le mal que tu as. Apparemment, vous avez eu du mal à le dire d'ailleurs, vous aussi. Bon, d'accord. Libérons Angèle! Regardez le score de Sindel. Alors vous pouvez prendre ça comme une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Elle n'a pas marqué un point, ce qui est rare chez elle parce que... Elle est forte. Normalement, ouais, elle se débrouille bien. Ça commence à bien partir. Il y avait un petit regard d'inquiétude dans les yeux de Sindel. Angèle, ça a été un plaisir. Bon retour en tout cas. Et bis à Elias. Quatrième victoire pour Sindel, elle a 22 000 euros et pourquoi pas 1 000 euros de plus avec deux mots à trouver dans une chanson, plus de mots dans la même chanson plus loin, 2 000 euros, beaucoup plus de mots, beaucoup plus loin dans la chanson, 5 000 euros, encore plus de mots, encore plus loin, 10 000 euros et la totale. Quelle chanson voulez-vous pour 20 000 euros entre Marc Lavoine, Je descends du singe ou Sabine Paturel, Les bêtises? Vous souriez comme si c'était déjà décidé. Les bêtises. Vous la chantez souvent avec les enfants? Pas avec les enfants, mais seule, oui. Ok. J'espère que vous n'en faites pas autant que dans la chanson des bêtises. Il y a le joker des initiales pour l'aider à faire encore plus de bêtises et deux mots à trouver pour 1000 euros. Allez, Sindel ! J'ai tout mangé le chocolat. J'ai tout fumé les Craven. Oh. Et comme t'étais toujours pas là, j'ai tout vidé le rhum coca. J'ai tout démonté tes tableaux, j'ai tout découpé tes rideaux, tout déchiré tes belles photos que tu cachais dans ton bureau. Vous bloquez ou pas ces paroles? Je bloque ces paroles. C'est fait. Est-ce que vous les rajoutez aux 22 000 euros ou est-ce que vous les risquez pour avoir 2 000 euros de plus? 4 mots à trouver. Continue. Allez, Sindel et Magali, vous êtes. Tout déchirer tes belles photos que tu cachais dans ton bureau. Hey, fallait pas me quitter, tu vois. Il est beau le résultat. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. Vous avez dit quoi? J'ai tout démonté le bahut. J'ai tout démonté le bahut. Ça se bloque, ça se vérifie, ça se change avant de bloquer. Que faites-vous? Je bloque les paroles. Oh.
Elle a 2000 euros de plus. Et pourquoi pas 5000 euros? Il y a 7 mots et toujours joker, oui. On continue. Allez, Cinder. J'ai tout démonté le bain. Hey, hop, 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 hop. J'ai tout bien étalé la gueule. Et comme t'es toujours pas revenu, j'ai tout haché menu, menu. J'ai tout renversé les poubelles. J'ai tout renversé les poubelles. Est-ce que ça suffit? J'ai tout renversé les poubelles, ça me paraît court. Ah ouais, il manque un mot. Je vais prendre les initiales. Les voici. J'ai tout haché menu menu, alors j'ai tout renversé les poubelles T. Donc ça va pas. Vous voulez qu'on garde j'ai tout et qu'on enlève les autres mots peut-être pour vous aider à réfléchir? Je veux bien, oui. Si alors, on garde j'ai tout, on enlève renversé et les poubelles. J'ai tout, B-L-B-T. Comme t'étais toujours pas revenu, j'ai tout. Bon, c'était quoi la phrase avant? S'il vous plaît, j'ai tout haché menu menu. J'ai tout bien étalé la glu. Comme t'étais toujours pas revenu, j'ai tout haché menu menu. Il me faut une décision, c'est une d'elle. Ah, je sais que je le sais en plus. Hein, mais... Ah bah, je sais que ça va vous énerver quand je vais vous le dire en plus. J'ai tout brûlé le beau tapis. J'ai... Ah, ça colle en tout cas. On applaudit parce que ça ressemble à ça, évidemment, pas pour autre chose. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Vous bloquez ou passez parole? Je bloque les paroles. N'importe quoi ce jeu, c'est n'importe quoi. Oui! Ça vous fait 5000 euros. Tentez-vous les 10 000 et plus de joker. Il y a 9 mots. Ça va vous surprendre, mais je vais continuer. Ah, c'est risqué parce que si c'est pas ça, vous retombez à zéro. Ok, c'est parti, 9 mots à trouver. J'ai allez. Tout brûlé le beau tapis. J'ai tout scié les pieds du lit. Tout décousu tes beaux habits et mis le feu à la penderie. Fallait pas me quitter, tu vois. Il est beau le résultat. Je fais rien que des bêtises. J'ai tout renversé les poubelles. Ah, vous recommencez quoi. C'est votre truc. Hein. Donc j'ai tout renversé les poubelles. J'ai tout. Ah oui, parce que ça suffit pas non plus. Non. Ouais. J'ai tout renversé les poubelles. J'ai tout. Ta belle vaisselle. Il manque un mot au milieu. Alors. C'est, j'ai un peu peur que ce soit chargé là. J'ai tout renversé les poubelles. J'ai tout. La vaisselle, ça va pas. Ouh là 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 là, comment il... on peut se poser des questions de savoir si elle aurait dû recommencer ou pas. Je la sais par cœur en plus. Bah prouvez-le, c'est maintenant, hein, c'est le moment là, parce que là, il y a 10 000 euros qui vous attendent. Ça me revient pas. Je sais pas ce qu'on veut dire, vous avez été gourmande sur ce coup-là, hein, à part... Ben, je me suis fait confiance parce que réellement, non, je la connais par cœur. C'est bien dans la vie de se faire confiance, mais oui. Malheureusement, sans aucun joker, partir sur les 10 000. Alors la bonne réponse était... Fallait pas casser mon cœur, me laisser sans babysitter. Ah oui, c'était la suite du refrain. Et moi, je suis partie sur un couplet. Sur l'autre couplet. Aïe, mais c'est pas grave. Elle a 22 000 euros, ça c'est sûr. Et elle garde ce micro d'argent, c'est pas fini pour elle, c'est pas fini pour vous. Ciao, ciao, ciao. Merci d'être fidèle, hein. N'oubliez pas les 22 000 euros pour la si belle maestro Cindel qui apprend la musique, qui ouvre les oreilles, les ouïes des enfants. Je trouve ça génial. Vous avez combien d'enfants en même temps quand vous leur donnez des cours? Alors en fait, moi j'ai deux choses. Ouais. Déjà, j'ai monté mon auto-entreprise, donc je donne des cours... À un enfant par un enfant, c'est ça? Ou en groupe. D'accord. Sinon, je suis aussi musicienne intervenante dans les écoles.
Et là, j'interviens en collaboration avec les enseignants, donc des classes pouvant aller jusqu'à 27, 28 ans. Et les thèmes avec lesquels vous allez chanter, Laura et Cindel, pour 10 points, il y a les rigolos, pour 20 points, les années 80, 30 points, reprise en français, 40, Zazie dans le métro, 50, Lara Fabian, et après la même chanson. Cindel, vous êtes maestro, est-ce que vous commencez ou est-ce que vous laissez Laura commencer? Je vais commencer pour 50 points avec Lara Fabian. Avec Lara Fabian, très bon choix. Alors, moi, chaque fois, je dis j'y crois encore, mais elle chante j'y crois encore, parce que c'est plus joli aux oreilles. J'y crois encore, on est vivant tant qu'on est fort, on croit encore. Oh, oh, c'est... Et là, il s'est rien passé, peut-être, non? C'est une honte, mais ça me fait rire. Ou alors, immortel. Immortel, immortel. J'y crois encore, oui, mortel, ma maestro. J'y crois encore. J'y crois encore. Et là, vous y croyez, cette chanson, ça devrait le faire? Possible. Possible, très bien. 9 mots à trouver pour marquer 50 points d'entrée, c'est la maestro, fait du bruit. Ici, rien ne parle, rien ne bouge. Arrêt sur écran vivant. Isolé, vaincu, sans doute aliéné, pas même un battement. J'aimerais qu'on me ramène, je ne reconnais plus les gens. Seul tout au fond de ma haine, la peine est mon dernier amant. Il faudrait que je me lève, respire et marche vers l'avant.
Bonsoir. Mademoiselle Laura Fabio. Merci. La tête que vous avez faite toutes les deux. J'adore. J'en tremblais moi aussi. C'est vrai? Bah oui, c'est émouvant. C'est toujours émouvant. Merci pour cette jolie surprise avec en tout plaisir, cas, Laura. Avec plaisir, Nagui. On plaisir. Voulait saluer avec Laura la sortie depuis à peine 3 petites semaines de ce nouvel album, Ma vie dans la tienne, Laura Fabian, c'est ça. J'aurais mis ma vie dans la tienne, comme on mélange le sang des veines, je serais restée près de toi. Crois-moi, les éléments qui se déchaînent, tu m'aurais protégée de moi, mon âme sœur. Alors c'est un retour, j'ai envie de dire, à la Laura Fabian de justement, de tout, de Je t'aime et des arrangements, des grandes envolées. Et, Je salue d'ailleurs mon ami David Gattegno qui a écrit toutes ces chansons. Oui, le copain de David Marouani, voilà. je l'adore, je l'embrasse aussi très fort. Et Elodie, oui c'est son copain, t'as raison. Ouais, je sais, c'est très pote. Et Elodie M, et avec lesquels effectivement tu as raison, on a renoué avec la tradition des chansons populaires qui ont fait qu'un jour les gens m'aient choisi. Toujours, toujours, et ils sont là et ils sont fidèles et tu le sens, et quand tu vois l'émotion de ceux qui t'aiment, la connaissance qu'ils ont des textes, des chansons aussi, parce qu'il y a des belles mélodies, mais il y a aussi la connaissance. Ça doit être extrêmement émouvant pour une artiste comme toi de voir qu'on est enchanté, toute génération confondue, tout style confondu, et que des candidats se régalent. On ne sait pas encore si ce sont pas les bonnes paroles, on ne va rien dire pour l'instant. Et moi, je voudrais juste préciser une chose, c'est que j'ai découvert, je crois que c'est la première fois au monde, qu'il y a une pochette en réalité augmentée, c'est-à-dire qu'avec un smartphone, on peut avoir la pochette agrémentée de quoi ? On exact. Te voit nu ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, pas encore. Enfin, ça a été fait, tu te souviens ? Je crois que j'ai le seul exemplaire. Non, effectivement, il y a des photos qui s'animent. Il y a ma petite fille, mon mari, mes parents. Et avec cette application qu'on télécharge sur un smartphone, tu passes avec le téléphone et tout va s'animer. Plein de choses vont s'animer. Tu vas avoir des petites choses qu'on a filmées spécialement pour cet album. Génial, voilà. C'est malin, c'est intelligent. Et vous retrouvez donc la belle voix incomparable et agréable de Laura Fabian, Ma vie dans la tienne, en tout cas ta voix dans la mienne d'émission, ça m'a fait extrêmement plaisir. Merci, faites encore du bruit pour Laura Fabian. Vous avez dit on a la foi tant qu'on s'endort, la rage au ventre. Est-ce que sans regarder Laura, est-ce que vous bloquez ou pas ces paroles? Je bloque ses paroles. Parce que je dis sans regarder Laura, parce que depuis une demi-heure elle était là en fait, oui c'est ça. Oui, elle a raison. Oui. Allez, accompagnez Laura sur Merci. Une envolée d'applaudissements. Merci, ma belle. Et voici encore l'extrait. Ma vie dans la tienne, c'est Laura Fabian. Ma vie dans la tienne, mon mélange sans des veines, je serai restée près de toi. Et elle est en odorama aussi. Elle sent super bon. Elle est trop la classe, non? Elle est gentille. Ah, j'adore. Adorable. Belle surprise, en tout cas. Oh, très belle, oui. Ouais. Vous allez rentrer à la maison en disant, j'ai chanté avec Laura Fabian. Ouais, c'est hallucinant. C'est trop la classe. Oui. Voici les 50 points pour Sindel. Pour Laura, Sindel, enfoncez le clou avec 10, 20 ou 30 points de plus. Rigolo, années 80, reprise en français. Peut-être que Claude François se cache derrière reprise en français, comme il en a fait. Vous cherchez Claude François partout, vous, hein? Tant qu'à faire. Donc allez, reprise en français pour 30 points. Oui, c'est vrai que Claude François a beaucoup interprété de chansons, notamment de la Tamla Motown à l'époque. Mais là, c'est d'abord Les Enfoirés. Si l'on s'aime, si l'on s'aime, faudrait plus tourner les yeux. Kiss, I was made for loving you. C'était ça la version originale. Ou alors A Woman in Love en français par Mireille Mathieu. Je suis une femme amoureuse et je brûle. Et si l'on s'aimait ou une femme amoureuse? Une femme amoureuse. Une femme amoureuse. Très bien. S'il vous plaît. Une femme amoureuse, il y a 5 mots à retrouver pour marquer. En plus, c'est 30 points. En plus, c'est 50. Allez, maestro! Ouais, Christian! Sur nous, tu me regardes et qui sait si tu me vois, mais moi je ne vois que toi. Je n'ai plus qu'une question, tes yeux, mes yeux, et je chante ton nom.
C'est pas la peine de t'énerver non plus, hein, ça va. Imagine la fille qui rentre chez toi. C'est mon droit de t'aimer. Oui, oui, deux secondes. Il y a foot à la télé là. Deux secondes. C'est mon droit de t'aimer. Vous bloquez ou passez de parole? Je bloque ses paroles. Bien chanté, en tout cas on peut l'applaudir parce qu'elle a bien chanté, mais on va voir si ce sont les bonnes paroles. Eh oui! Ça fait quand même 80 points. C'est 20 Sindel. Points. Laura, allez vous installer dans le fauteuil. Le temps pour notre maestro Sindel, avec ses 4 victoires, peut-être d'enfoncer encore le clou. Vous avez 60 points d'avance. Il va falloir augmenter peut-être cette avance et même sûrement avec cette chanson. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Ouh là là, vu la tête. Pas du tout. Pas non. Du tout. Tous les mêmes. Il y a 285 mots en tout, mais c'est vrai que ça va extrêmement vite et que c'est écrit avec la plume de Stromae. Faites du bruit pour la maestro. Les hommes, vous êtes tous les mêmes. Macho, mais chiffre. Bande de mauviettes, infidèles. Si prévisible, non, je ne suis pas certaine que tu mérites. Vous avez de la chance qu'on vous aime. Dis-moi merci. J'ai tenté. C'est cette fois, c'était la dernière. J'espère que c'est pas. Je parle pas de votre participation, je parle du texte de la chanson. Mais pour quelqu'un qui la connaissait pas, vous êtes bien débrouillé. Elle est pas facile, je vous l'accorde. Libérons Laura. Regardez le score réalisé à l'instant par Sindel. Elle était à 80. Si tu veux finir maintenant, c'est le monde à l'envers. Moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi tu pensais? Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement aux prochaines règles. On va s'arrêter là parce que le score va parler tout seul. Vous avez entendu la petite cloche résonner. Regardons le score réalisé à l'instant par Laura. 128 à 93 et ça aurait pu continuer. Roulement de tambour. Changement de micro, nous avons une nouvelle maestro. Et Sindel, en tout cas, on part avec 22 000 euros. Bisous, ma belle. Et je vous offre l'album de Lara Fabian, c'est la moindre des choses. C'est gentil, merci beaucoup. Cadeau, bon retour. Merci les musiciens. Merci, bravo.